d'aller vivre en Occident, même s'ils n'ont pas assez de moyens pour financer le voyage. Oui, je vous remercie très sincèrement de m'avoir donné la parole. Je m'exprime peu en français, mais je vais me débrouiller. Bon, cette association, on a débuté en 1992. Je vais revenir en arrière parce que le jeune nous dit en 2000. Donc, c'est une fête, c'est une fierté pour moi d'être le pilote de cette association jusqu'à présent. Et nous sommes, ils ont organisé ça à mon nom pour m'honorer, pour honorer grâce au travail fourni, à l'effort fourni, à notre temps jusqu'à présent. Moi, ce que je peux aujourd'hui, c'est de dire à tout le monde merci de cette mobilisation grandiose. Je vais remercier toutes les équipes participantes. Je vais remercier les honorables invités, les parrains, tout le monde. Je vais les remercier. Je vais nous dire de se mobiliser de l'Eluma à Hérico, de Hérico à toute la Guinée. Ce n'est pas un seul. Quand la jeunesse se mobilise, nous pouvons changer. Donc, je vais vous remercier. Je vais dire à tout le monde merci. C'est l'ancien président de l'association. Il y a le nouveau président qui est là aussi. Nous sommes là ensemble. Nous, c'est nos jeunes frères. On nous a succédé par eux. Nous aussi, nous sommes là pour les conseils. Je suis le président du conseil consultatif de cette association. Donc, je vous remercie très sincèrement. Vraiment, je remercie à tout le monde. Je remercie le bon Dieu de nous avoir accordé 7 jours importants pour moi. D'accord, je vous remercie déjà. Il faut dire que l'événement est organisé sous le haut patronage de M. Mamadouri Balde qui est là. Donc c'est un événement, nous sommes à la 2e édition qu'on organise chaque année. Et c'est une manière d'abord de regrouper toutes les filles, tous les fils de l'Eluma Hérico autour de la paix, de la fraternité, de l'union. Et aussi Hérico, ses amis et ses sympathisants. Cette année, on a choisi ce thème parce qu'on a vu qu'à l'instar de toutes les préfectures de la Guinée, l'Eluma, c'est l'une des préfectures les plus victimes de l'immigration. Donc il faut profiter autour du sport, qui est un élément fédérateur, pour lancer ce message-là pour sensibiliser la jeunesse. Il faut dire que le bonheur n'est pas forcément ailleurs. On peut rester ici. Par exemple, on a pris M. Mamadouri. C'est un bel exemple. Mamadouri, c'est un bel exemple. Il est resté ici. Il n'est allé nulle part, mais aujourd'hui, c'est un bel exemple de réussite. Donc, pourquoi ne pas faire comme lui? Pourquoi ne pas faire comme d'autres qui sont restés ici sans aller nulle part et ont réussi à se développer? Donc, c'est un thème qu'on a jugé opportun. Et au-delà du thème, mais c'est un événement aussi que nous lançons pour sensibiliser les citoyens, pour sensibiliser la population de l'Eluma, afin de venir en aide la population qui est à Hérico, qui est à l'Eluma là-bas. C'est-à-dire les aider en matière, en domaine de scolarité. Nous avons toute la sous-préfecture et nous avons le collège sur 300 élèves, nous n'avons que 300 professeurs. C'est une manière de lever des fonds qu'on gagne ici pour accompagner, par exemple, la prise en charge des enfants de nos frères. L'année passée, on a eu 0 admis. Donc, c'est à l'occasion de ces activités qu'on sensibilise tout le monde, qu'on interpelle toute la population pour venir en aide. La santé, on n'en parle pas. Il n'y a pas d'infrastructure. Les femmes meurent chaque jour par défaut d'ambulance, par défaut de personnel qualifié. Donc, au-delà du sport, c'est tout un symbole. C'est vraiment quelque chose de particulier que nous comptons pérenniser chaque année. Aujourd'hui, il y a eu 4 équipes. Il y a FC Tuntourung, FC Linsa, Hérico et Linsa, je pense. Donc il y a 4 équipes. Et on n'a pas pris seulement l'Eluma, on a pris toute la Moyenne-Guinée, toute la Guinée d'ailleurs. C'est une première expérience. Nous comptons qu'à l'avenir, nous allons, après cette expérience, la récapituler, voir comment on pourrait faire avec le concours du réseau des associations de l'Eluma, un tournoi qui peut fédérer toute la Guinée, toute la jeunesse de la Guinée, quoi. D'abord, je dois dire que je suis honoré. Donc heureux d'être là et surtout satisfait de me faire accompagner des amis d'abord de guinematin.com qui sont très nombreux ici et aussi de l'association des ressortissants de Télimélé. Vous savez que Télimélé a une structure internationale qui a une cellule
locale dont le président est lui-même là, accompagné de tous les autres membres. Donc nous avons été honorés d'être invités par l'association pour le progrès de Herico. Et voilà, nous sommes venus dire qu'on est ensemble et nous encourageons leur initiative. Nous pensons que c'est quelque chose qui doit être perpétué, non seulement par cette association, mais peut-être par d'autres. Et c'est surtout pour cela aussi qu'on s'est engagé à venir avec nos collaborateurs de Guinée Matin, parce que c'est important de véhiculer des messages de ce genre. Ça concerne la jeunesse, l'immigration concerne la jeunesse. Vous avez parlé de football, mais le thème, la sensibilisation porte sur l'immigration clandestine. Et on sait les dégâts que cela cause dans notre société, dans nos communautés. Et Herico, donc la préfecture de l'Elouma, et Télimélé, nous sommes tous concernés et c'est important qu'on soit là et qu'on appuie de tels messages. C'est très clair et j'ai parlé de l'association de Télimélé. On est tous là d'abord pour marquer notre soutien à cette association, mais aussi pour voir et peut-être, pourquoi pas, copier, savoir qu'on peut dupliquer ça à notre niveau. Et c'est important que la jeunesse, les ressortissants, participent au développement local. C'est facile de dire que nos villes, nos villages ne sont pas développés, mais c'est important que chacun comprenne d'abord quel est son rôle, qu'est-ce qu'il peut faire et de se battre pour aller dans ce sens. Nous l'avons fait, nous avons commencé en 2013. Je rappelle que la coordination internationale pour le développement de Télimélé a été créée en août 2013 à Bruxelles. Beaucoup d'entre nous avons participé à cette rencontre et ce n'était pas une autre structure qui prenait en charge. Chacun s'est battu de son côté pour participer et après cela, nous continuons à faire des efforts financiers pour le développement de Télimélé. On n'est pas venu pour ça, mais je dis que le bilan n'est pas du tout négligeable et nous continuons à faire des réunions, nous continuons à lever des fonds à notre niveau et nous encourageons Herico, nous encourageons la préfecture de l'Elouma et les autres jeunes à se battre dans ce sens. Et nous avons surtout été séduits par l'engagement des opérateurs économiques de Herico qui s'impliquent derrière la jeunesse, qui les accompagne. Vous avez vu, il y a assez de partenaires qui les accompagnent, c'est quelque chose qui est important à faire. Je pense qu'il y a beaucoup d'opérateurs économiques qui aiment, disons-le, le matu vu, mais qui n'accompagnent pas concrètement la jeunesse locale. C'est important de le faire et c'est ce qui peut aider nos communautés et nos villages. Oui, je pense qu'il ne faut pas mettre le député en cage. Il est là où est la société. Donc, de façon spécifique, vous avez là un député qui a eu le plaisir de pratiquer le sport de haut niveau pendant presque 22 ans. C'est quelque chose qui compte et qui fait que quand on vient dans ces milieux-là, nous avons des sensations particulières. Et puis je viens ici quand même honorer une préfecture qui m'est très chère, l'Elouma, d'où est partie ma grand-mère paternelle. Et avec les citoyens de quelle région, j'ai des attaches particulières, j'ai une vraie affinité avec les gens de l'Elouma. Je pense que c'est une des régions de Guinée où je me sens chez moi, dans toutes les maisons, dans toutes les familles. C'est comme si j'étais à Gawal, donc ils m'ont adopté et je les aime très bien. Donc là où ils se regroupent, ben, on me retrouvera là-bas. Si on parle au-delà du football, on parle de la migration, on parle de la levée de fonds pour la société. Il faut saluer cet esprit entrepreneurial des jeunes de l'Elouma de façon globale, quelle que soit la sous-préfecture d'origine, que je sais que j'ai connu, que ce soit ici, en France, au Sénégal, aux États-Unis, ils sont extrêmement mobilisés. Je suis même l'objet d'une invitation d'un jeune de l'Elouma qui est animateur en Gambie, qui tient une émission. Gantel. Voilà, Gantel, qui est très célèbre en Gambie et qui m'a fait l'honneur de m'inviter. Je viendrai répondre à cette invitation dans les prochains jours. Donc ce sont des gens qui sont organisés très bien et grâce auxquels
quand on vient dans leur territoire, ben, on voit l'immense travail qu'ils font, ne serait-ce que pour construire une maison dans des régions où la géographie n'est pas un cadeau. Hein, c'est montagneux, c'est difficile, l'eau n'est pas toujours disponible là où il faut, mais les gens arrivent à réaliser des choses extraordinaires. Donc ça, c'est le monde associatif qui le fait, il faut le saluer. Il faut aussi saluer cette préoccupation qu'ils ont par rapport à l'immigration, parce que c'est une des régions de Guinée qui est la plus victime, parce qu'elle a une densité de jeunesse très forte. Ils ont des gens qui sont très dans la concurrence, dans la libre concurrence économique. Ça veut dire que les gens vont toujours aller chercher les meilleures solutions. Il suffit de jeter un coup d'œil dans le nombre d'entreprises qu'ils créent chaque année en Guinée ou d'associations. On voit que c'est des gens entreprenants et qui ne sont pas là à attendre. Je pense que c'est quelque chose qui doit inspirer les jeunes des autres préfectures de ce pays.